au départ était tout, sauf chrétien. Se cachant et voulant ignorer qu'un jour, ce monde prendrait fin. Il but, il s'enivra, il fit la fête. Mais rien, rien dans sa vie ne changea. Sa vie, un fiasco. Un échec caché par l'orgueil. Il porte un masque chaque jour. Faire croire que tout va bien, cachant son amertume. Finance, déception sentimentale, tromperie, hypocrisie, mensonge, adultère, colère. Il est vide en lui. Au fond, il cache son désespoir. Sa souffrance. Voyant la tristesse de ce monde, il aimerait changer son cœur. Il sait qu'en lui, quelque chose qui n'est pas de ce monde le fait vivre. Une essence, un homme bon qui sommeille. Il apprend qu'un homme est venu. Et a dit, face à toute cette haine, aimez-vous les uns et les autres. Il a donné à manger aux pauvres. Il a guéri les malades. Il a donné l'amour au monde, aux enfants et aux handicapés. Il a dit qu'il allait revenir. Et on l'a crucifié. Pourquoi? Parce qu'il aimait le monde et qu'il voulait sauver l'humanité. Apprenant cela, qu'un tel amour existait, cet homme a donné sa vie à Dieu et a choisi de suivre cette trace et aider les pauvres et les gens dans la douleur. Cet homme, ça peut être vous. Cet homme a rencontré Jésus-Christ. Venez à lui. Cet homme ayant véritablement compris le sens de l'amour, mis une transformation dans son cœur. Transformation qui amena un nouveau départ pour beaucoup de gens. Enfin, il trouva sa place dans l'amour qu'il attendait. Et le vide qu'il avait en lui ne devient plus. Alors, l'amour de Dieu rayonna dans sa vie, dans ses œuvres, dans ses actes. C'est là le changement devant Dieu pour un monde d'amour. Véritablement compris le sens de l'amour et une transformation dans son cœur. Une transformation qui amena un nouveau départ pour beaucoup de gens. Enfin, il trouva sa place dans l'amour qu'il attendait. Et le vide qu'il avait en lui ne devient plus. Alors, l'amour de Dieu rayonna dans sa vie, dans ses œuvres, dans ses actes. C'est là le changement